les blancs, on a la culture, mademoiselle. Attends, ferme ta gueule. En gros, entre des états sorocales ou les arabes, fils de pute. Je pars en connaissance de cause au collège, je vais faire sauter que par cette communauté là. Je m'en bats les couilles, ferme ta gueule, fils de pute, ferme ta gueule. Il est bizarre, Ryu. Désolé de vous déranger. S'il y en a qui veulent discuter avec nous, on est en chicha. Oh, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, frère. Personne veut parler avec toi, sale putain de trans de merde. Ok. C'est quoi ces mecs? Ok, sale trans. Alors, les gars, s'il vous plaît, je suis le plus vieux ici, donc manquez pas de respect. On accepte toutes les communautés, donc si l'homosexuel. Non, on accepte pas toutes les communautés. Non, pas les PD. Pas les PD. Est-ce qu'il y aurait pas une fille qui pourrait être la voix de la raison, la voix de la sagesse, une jeune demoiselle? Ah mais nos fesses. Alice, t'es là? Alice ou Julia? Bon, apparemment il y a un Indien qui s'est incrusté. Présente-toi rapidement. Yes, I'll present myself. My name is Gautam. I'm technical support of Discord. And we're facing many troubles with the coronavirus. Oh, ferme ta gueule! Putain, respect, il est technicien, il parle anglais. Sale gitan de merde. Bon, oui, vas-y, donc disons un peu plus. Donc, tu travailles dans le service technique de Discord, c'est ça, et tu veux nous aider? Bah, il a été muté, les gars, ça serait bien qu'on le démute. Ouais, de la grosse pute, ça. Oh, merci, ça fait chaud au cœur. Ferme ta gueule, l'arabe de service, là, je sais pas pourquoi tu t'énerves. Alors, comment tu penses à le bâtard? Ouais, j'avoue. Ok, nique ta grand-mère, la pute, sale transe. Mais toi-même, t'es raciste, gros, calme-toi. Ouais. C'est le personnage, voilà, ça, ça va. Tu traites d'arabe, frère, ça se dit pas, frère. Tu dis qu'on va c'est pas, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire à la base. Et tu le traites d'arabe, frère. Arabe de service, on le disait souvent dans les années 70, et voilà, c'est l'arabe à joie, c'est l'arabe à joie, l'arabattement. Mais frère, on s'en fout des années 70, frère. Moi, je suis pas né en 70, moi, je Moi, j'ai 40 ans, je suis désolé, j'ai pas de problème avec ça, y a pas de racisme. C'est pas une insulte de dire non, arabe. Ben, moi j'ai un problème avec ça. Oh, ça vous savez, mademoiselle, vous savez pourquoi le pays va mal aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui tolèrent ce genre de comportement. Non, je m'en bats les reins. Tu vois ton pays là, tu le prends, tu le roules, tu le mets dans ton cul, ton pays de merde. Bon, Kenza Farah. Bon, Kenza Farah va faire du R&B là. Voilà, bien dit, bien dit. Merci. Toi, Kenza Farah, frère, ta mère, Kenza Farah. Effectivement, là. La réplique en ta mère, j'avais pas vu. Ça m'aurait pas plu. Riposte. Tu sors de nulle part. Tu viens faire le mec, ouais, je suis la sagesse, je suis ce qui suis sûr, je suis comme les gens d'arabe. Ouais, je suis trop. Cogna maman, enfoiré, voir. Je la laisse. Mais Coco senti. Allez, vas-y, je t'attends. Viens me traiter de Renoir, viens me traiter de Jésus. Allez, je t'attends. Bon, ça va, voir. Je te dis, t'as deux pas à faire. Et tu reprends. Oh, il va prendre l'accent. Tu veux jouer avec l'accent? On va prendre l'accent, vas-y. Ça va faire fouet, tu veux jouer avec l'accent? C'est quand les proche Coco. Là, déjà là. Tu peux faire l'accent là, mais excuse-moi là, les blancs là, vous savez rien de nous, rien. Les blancs, on a la culture, mademoiselle. Attends, ferme ta gueule. En gros, entre des états sorocales ou les arabes, fils de pute. Eh, Jean-Youssef qui s'amuse là, le petit de la cour de récré, s'amuse à faire. La sagesse. Tu sais quoi, j'ai 100 roupies pakistanais à te donner, connard. Arrête de rester en jeu. Putain, tellement une merde, ferme ta gueule, la putain de ta mère. Bon, elle a ses radios, la meuf là, elle va arrêter de la jouer la Kedira là. Tu vas te calmer un peu. Oh. Tu veux que j'arrête de la jouer? Mais toi, arrête de faire Pascal, le grand frère un peu là, arrête un peu. Déjà, frère. Mon prénom c'est Thierry déjà. C'est Thierry le grand frère. Vous savez ce que vous faites, mademoiselle? C'est du racisme anti-blanc. Oh, c'est vrai, mais traiter les gens d'arabes, c'est pas raciste, ça, enfoiré, vas-y. Non, alors qu'elle va nous dire, l'antillesse de service là, elle va nous dire alors l'ethnie la plus représentée dans les épiciers, c'est de pute. De service. Hey, je vais te faire danser Angela, tu vas rien comprendre. Angela, moi que fotoa pendant papa pala. Oh c'est bien, oh j'adore. Mais tu sais quoi? Tu vois cette petite musique là que tu viens de chanter? Tu sais pourquoi tu la chantes aussi bien? C'est parce qu'en fait quand j'ai niqué ta mère, je l'ai niqué sur ce son. Là je peux pas répondre, là. Tu viens de m'envoyer au tapis. Là. Je dirais même plus, tu m'as envoyé sur un champ de coton. Oh, un champ de coton. Bah t'inquiète pas, je vais faire les tampons de ta mère. Oh.
sûr que ta mère, après le passage, après mon passage, elle a la chatte un peu déglinguée, tu vois. Du coup, quand elle a ses règles, ça coule bien, tu vois. Ma mère est handicapée. C'est moi qui lui fais ses couches. C'est moi qui la lave. Je lui fais un peu gros tampon, sa mère, comme elle aime, tu vois. Je suis plus renseigné sur la taille de la chatte à ma mère que toi, donc je sais comment je dois m'y prendre pour la laver. Aïe, aïe, t'es content, en plus. Oh, t'es content, gars. Non, parce que j'ai de ma mère, contrairement à certains. Toi, tu baisses ta soeur, ta cousine, tes frères, et tu viens me parler de ma chatte. Je fais ce que je veux, c'est ma famille. J'ai le droit de baisse sur qui je veux dans ma famille, alors ferme ta gueule. Oh putain, mes frères, c'est dégueulasse, frère. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas fait, j'ai eu des envies par passer avec une cousine. Mais frère, t'as pas honte de dire ça, frère. Je lave les parties génitales, qu'est-ce qu'il y a? Je lave ma mère, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois peser 100 kilos là. Je suis sûr que tu débordes dans le lit. Donc là en fait t'es en train de juger les noirs et les arabes, mais toi tu baisses ta femme. Ah ouais, il est bizarre. Ah ouais, y'a quoi? Comme t'as dit, t'inquiète pas, je te juge pas. J'accepte toutes les communautés. T'as une voix de grosse, j'accepte pas ta communauté. Oh j'ai une voix de grosse. Tu dois certainement t'appeler Sabrina toi, non? Tu sais quoi? Évite de me juger. Comme tu veux. Bon, elle va zouker quand là? Parce que j'attends que ça là. Allez, viens, ça a grave fait faute. On va fouter. Ta soeur, on va voir où tu es. Viens sur la ligne 13. Viens sur la ligne 13, c'est là où je me frotte en général. Tu vas faire quoi? Mais frère, moi j'habite pas dans ton bled, moi. J'habite pas dans ton bled, t'as cru quoi? Ma poumé, Toto, je t'étais néon. Toto, je t'en ai. Là, tu vas me dire une insulte dans ma langue avec un accent d'un autre créole, frère. Quand tu sais pas, tu parles pas. Ouais, mais c'est normal, je débute en créoli. Mais tu sors d'où, toi? Ils sont d'où, là, les fils de pute, là? Ils sont partout, hein. Votre grand-père, là, qui est venu... Pourquoi vous m'avez mute, j'ai rien fait? Oui, pourquoi vous nous avez mute? La demoiselle, là, elle est vraiment très méchante. Ouais, elle a ses ragnoutes, c'est normal, mais on a pris un mauvais départ, Netsu. La dame, elle a du bourchon, très léchant. Du bourchon. Ça doit être du reste de ragnoutes qui a séché, forcément, elle a les nerfs à vif, la salope. Oh, je l'ai perdu en plein. Non, excuse-moi, je. Salope, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit. Moi aussi j'ai entendu salope, dit... moi. Non, je te promets que j'ai pas dit ça, c'est un autre gars qui a dit ça. Moi quand t'es ma mère en main, moi quand j'ai tout dit. En vérité là, je suis occupé en fait. Tu veux dire ce que tu veux, je m'en branle un peu. Ouais, mais pourquoi tu fais la fille agressive comme ça? Tu parles comme une racaille. Calme-toi, wesh. Non, c'est pas que je fais la racaille, c'est que moi j'accepte pas que tu viens me parler de communauté, d'acceptation et qu'ensuite tu sors un propos raciste, frère. T'es mais complètement contradictoire. Je suis pas sorti de propos raciste. Je suis pas sorti de propos raciste. Le mec qui parle comme Abou dans les Simpsons, frère. Arrête de parler ça. Arrête de dyslexique. Mais arrête là! Je te jure, j'ai envie de rigoler, j'en peux plus. Non, mais il est vrai, le c'est que mon collègue est vraiment indien, les gars. Il est arrivé en France il y a un an. De raciste! Non, je suis pas raciste, mais frère, juste parle pas, s'il te plaît, vraiment. On m'a toujours dit que les filles comme Sebetsu, en fait, elles sont conditionnées à... Vas-y, ferme ta gueule, ça PD. Mon père m'a toujours dit qu'en gros, les filles comme toi qui ont grandi en cité sont conditionnées à avoir un comportement masculin pour... Parce qu'en fait, vous êtes un peu plus faible dans les cités, vous êtes un peu plus visé pour pas se faire agresser dans les caves et tout comme ça. Alors, déjà, je vais te parler gentiment sans vraiment t'insulter, d'accord? T'es en train de dire que tu t'es fait pousser, vous pédis. Alors, pour commencer, j'ai pas grandi dans une putain de cité. Tu as dit, j'ai grandi dans une cité. Genre, tu connais mieux ma vie que moi, toi. Mais en fait, non, t'as grandi dans une cave, chez chaque. De quoi ça s'entend? Tu sais, attends, d'où ça s'entend? Pourquoi ça s'entend? On va s'isoler, on va s'appeler en vocal et tu vas. Comment ça s'isoler, ouais, je vous parlais. Non, frère, non, moi je m'isole pas avec toi, frère. Tu rigoles comme un grignol. Non, moi je m'isole pas avec toi. T'es bête, c'est quelqu'un qui rigole comme un grignol que je le mute, s'il vous plaît. Ferme ta gueule, gros putain de chat. Eh, Jean Youssef, là, on t'a pas sonné. Eh, va t'amuser à faire le chouf à la Courneuve, casse pas des couilles. Voilà, tu vas me chercher une canette et tu me ramènes la monnaie. Non, je t'ai calmé, arrête de m'insulter avec fils de pute, en général t'es mono réplique. Ta gueule, gros fils de pute. Voilà, voilà. Laissez le gay s'exprimer, les gars. Il voulait s'expliquer. Bon, écoute, c'est Bestou. Moi, je te le dis, moi j'habite en province et je sais que mon père m'a dit que les gens comme toi avec un accent assez cité. Non, mais en fait, là, gros, ferme ta gueule, 2 secondes. Moi, je vais te dire un truc. Déjà, moi, j'habite pas en France, c'est pour ça que j'ai un putain d'accent, enfoiré. Oui, mais t'as dû commettre. Voilà, je viens pas d'une cité ou quoi, oui, frère. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça se voit que t'es pas innocent. Ça se voit que t'as déjà volé. Ouais, d'accord. Genre les petits crayons à Ikea. Ouais, d'accord. Je sais que c'est toi. Et tu veux que je parle comment, en fait? Tu veux que moi, je te parle comment? Bah, tu parles en français avec un. Comment ça, je parle
s'adapter, frère. Moi, je suis pas un adaptateur, moi. Le problème, c'est qu'avec les gens comme vous, vous n'arrivez pas à vous intégrer à la France. Voilà. Voilà, je l'ai dit alors. T'enlèves la paire de couilles que tu mets dans ta voix, tout au calme. Mais je m'en branle en fait de la France. Comme une femme respectable. On dirait mon cousin, il a une flochette, il a une perruque. Même l'Indien, il parle de toi. Après, c'est juste tout, il n'y a pas de plainte qu'il y ait des bavures policières dans le pays. Et voilà, le rachis, je le pousse. Mais quelle bavure policière? Bavure policière, t'es. Vas-y, je vais pas t'insulter, tu vois, parce que. Bah non, vas-y, argumente, vas-y, porte-les. Non, voilà, non, j'ai rien à te dire en fait, je te dois rien. Bah, ferme ta gueule. Donc, t'es bien d'accord qu'il y a un souci au niveau des épiciers en France. Donc voilà, c'est juste que j'ai. Mais pourquoi tu me parles de la France? J'habite pas dans ton pays de merde là, ferme ta gueule. Alors, quel est ton pays alors? Respecte la France, hein. Non, excusez-moi, j'ai rien contre vous, mais lui, oui, tu vois. Mais t'habites où alors? Quel pays alors? Est-ce que c'est mieux chez toi? Alors ferme ta gueule. Bah non, c'est pas mieux chez moi parce que je suis mêlé dans votre France de merde là. T'as été déjà, surtout, je parle rarement et là, t'as surtout été mêlé avec des grosses bites. Connard comme ça. Dans ta cave. De quoi dans ma cave? De quoi dans ma cave? Toi, t'es le genre gamin, tu t'es fait séquestrer dans une cave quand t'étais gamin, ton père il te violait. Donc, viens pas faire le mec avec toi. Mon père m'a fait des attouchements, c'est différent. Il m'a touché. Mon père m'a touché quand j'étais jeune. Il m'a jamais violé. Arrête de casser les couilles là. Il a fait ça parce qu'il s'est séparé de ma mère. C'est pour ça qu'il était dans le mal, mon père. Donc, je te permets pas de me juger. Je m'en bats les couilles de ta vie si tu savais comment je m'en bats. Et je vis plus avec lui d'ailleurs, mon père. Mais de quoi tu me parles? Babylone de quoi là? Casse pas les couilles là. Est-ce que t'aimes bien la société de ça ou t'es anti-société? Mais frère, je m'en bats les couilles moi. Je suis sûr en fait, c'est Bessou 100% tu pisses debout. C'est bien sûr, okay, à mon avis. Mais tu vas, mais d'où tu vas prendre en levrette? T'as une chatoune, t'as une chatte, c'est Bessou. D'où tu vas prendre en levrette? Ta grosse. Elle dit voilà, mais elle est chrétienne. Je suis pas chrétien, gros, ferme ta gueule. Alors, t'es de quelle religion alors? Ça nous intéresse pas, tu sais quoi, dis même pas. Toi, t'as parlé de ta vie, donc ferme ta mère, toi, putain. Mais moi, je suis témoin de Jéhovah, tu vas faire quoi? Je suis témoin de Jéhovah, tu vas faire quoi? Mais je m'en bats les couilles que t'es témoin de Jéhovah, je m'en bats les couilles, vraiment. Je traîne dans les métros et je distribue des prospectus, tu vas faire quoi? Tu vois, t'es pas ouverte au débat, Avec ta paye de RSA. Non, c'est pas que je suis pas ouvert au débat. C'est pas que je suis pas ouvert, moi, j'ai déjà tout dit. Maintenant, toi, tu fais. Oui, je veux bien me taire, mais tu apprends à respecter les gens, et les homos surtout. Et les en fait, toi, tu parles de rien. Là, de base, on a fini, là. C'est toi qui relance. Non, en fait. Mais voilà, non, mais je tenais à m'expliquer et à promouvoir le. Non, le mais y'a plus d'explication, frère. Y'a plus d'explication. Bon, elle va se calmer, Abdelkader, là-haut. Ce qu'on peut constater, c'est tout le temps les mêmes personnes de la même communauté qui foutent la merde. Oh non, c'est glissant. Les Arabes, tout le temps, dit les Arabes. Non, les Arabes ne sont pour rien, les gars. Je parle en connaissance de cause. Au collège, je me fais harceler que par cette communauté là. Je m'en bats les couilles, ferme ta gueule, fils de pute, ferme ta gueule. Oh, lui, c'est le méchant. Lui, c'est le méchant, les gars. Lui, c'est le méchant de la bande. C'est mieux, bouffon, c'est mieux. Ferme-le. Si tu te fais agresser par la bande, chez lui, faut taper en premier parce que c'est le grand méchant. Ta grand-mère. Eh, Nils. Ma grand-mère, oui. Si tu continues, je vais m'énerver. Je vais prendre mon accent de racaille. Ça va pas le faire. À la fois, ma grand-mère. Oh merde. Ton accent, frérot, j'ai peur. Bon, écoute-moi, ça me bâtard, fils de schlag. Eh, écoute-moi, Nils, maintenant tu fermes ta gueule, il y a un débat. Tu pisses ta race, ok? Je pisse sur tes joues. Je pisse sur tes joues. Je pisse, je fais dégouliner ma pisse sur tes joues, ça me fout. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les. Je vais t'aveugler avec mon jet de pisse et mon jet. J'écoute pas, fils de pute. Je suis en train de te bifler ton petit cul. Moi, je suis un guerre à caille, tu vas faire quoi? Je suis un guerre à caille. Je suis un actif. What the fuck? Je suis un guerre à caille, tu vas me faire quoi? Non, par contre, ferme ta gueule, tu représentes pas du tout la communauté LGBT, donc tu commences pas à dire que ta mère la pute. Allez, Nils, maintenant. Arrête de faire le fou, on va te taper. Y'a un mec qui est mort de merde, faut que je. T'es con quoi? Pourquoi tu vas m'insulter moi? Faut insulter les autres fils de pute, t'es con? Pourquoi la personne rigole? Y'a un mec qui est pressé ou quoi? C'est quoi ça? Oh, le rire de l'enfer! Bon, moi je décroche un étoile, sucez-vous! Bon, allez, sucez-vous, on a assez rigolé, on se casse, on viendra plus tard.